Je crois qu'on est convaincant de face à une caméra si on est convaincant de tout court. Je pense qu'on doit totalement oublier qu'on est face à un micro ou à une caméra pour ne se concentrer que sur ce qu'on a à dire. D'ailleurs, ce qui aide, c'est de regarder plutôt l'interlocuteur plutôt que l'outil lui-même. Et je crois que c'est le pouvoir de conviction qui l'emporte et qui transparaît in fine. Et c'est ce pouvoir de conviction, cette connaissance parfaite, le fait d'être professionnel et pas amateur quand on vient parler de sujets, notamment quand ils sont des sujets experts, qui font qu'on est à l'aise aussi bien devant une caméra que hors d'une caméra.